merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à vous. Depuis toute jeune, tu joues de la musique, depuis l'âge de 7 ans, je crois. Tu joues de plusieurs instruments. Est-ce que c'était le monde de la musique, c'était une carrière que tu étais destinée ou pas du tout? Je sais pas si c'est une carrière qui m'était destinée, mais c'est vrai que j'en fais depuis que je suis gamine, j'ai grandi là-dedans, il y a que ça que je sais faire. Cette carrière-là, tout ce qui m'arrive, c'est un peu arrivé par hasard en fait, mais je me voyais pas faire autre chose, donc ça tombe très bien. Donc c'est pas un concours de circonstances qui t'est arrivé il y a quelques années, c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire depuis toute petite finalement. Disons qu'inconsciemment oui, mais ouais. T'as rien fait forcément pour y accéder. Parce que je m'autorisais pas à rêver de ça, parce que c'est quand même énorme de pouvoir sortir un album, de faire des scènes, et voilà, pour moi c'est quelque chose d'inaccessible en fait. Alors tout le monde donc sait que tu es produit par My Major Company, donc c'est une nouvelle façon de produire de la musique qui va à mon avis se répandre dans les années à venir. Est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire d'avoir plus de 400 je crois producteurs? Dans mon cas non. Peut-être pour certains artistes, mais moi, c'est des personnes qui me soutiennent, qui sont derrière moi depuis le début, voilà, qui sont arrivées dans l'aventure en même temps que moi. Donc non, je me sens plus soutenue en fait que... voilà, il n'y a pas de pression, quoi. Mais tu les prends plus comme des producteurs ou une partie de ton public, les personnes qui ont misé sur le site My Major Company? En fait, c'est plus une partie de mon public, une partie assez privilégiée de mon public, puisque c'est eux qui m'ont permis de sortir mon album. Mais producteur, disons que c'est un terme un peu plus professionnel. Voilà. Et c'est vraiment, eux, c'est des personnes qui ont eu un coup de cœur et qui ont envie de me donner un coup de main, tout ils simplement. Ils ne se sont pas forcément producteurs d'un album. C'est plus un coup non, de cœur qu'ils tout. Ont eu. Non, pas du tout. Voilà, c'est un coup de cœur, c'est des amateurs de musique. Et, ou pas, c'est juste des personnes qui ont vraiment voilà, eu un coup de cœur et eu envie de me donner un coup de main. Et donc, je crois savoir que ça s'est fait en quelques jours, la mise de 70 000 euros, je crois. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à ce jeune site quand même, d'avoir réuni autant d'argent en si peu de temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu auparavant? Bah, c'est vrai que quand c'est arrivé, et même jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui est resté assez exceptionnel. Personne n'a rien compris en fait. Ça s'est fait très très vite alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Et comment s'est née l'aventure en fait? C'est toi qui as décidé d'aller sur ce site, on t'a repéré je crois, voilà. Les fondateurs de My Major Company. Voilà, comment en fait moi un petit peu l'histoire. En fait moi je postais des vidéos sur YouTube, ouais. Et puis un jour j'ai reçu un message de Michael Goldman qui est l'un des fondateurs de My Major, voilà, qui m'a dit qu'ils étaient tombés sur mon travail et qu'ils avaient envie de me rencontrer. Et au début c'était pas du tout pour signer avec eux, c'était pour les rencontrer, voir ce que je voulais faire de ma musique, et puis tout de suite ça a collé quoi. Mais généralement ça se passe pas forcément de cette manière là. Ce sont plus les personnes en tant que personnes physiques qui choisissent de mettre un morceau sur le site. Voilà, et là c'est un petit peu particulier quand même. C'était assez particulier et je suis très contente qu'il l'ait fait parce que j'avais eu quelques propositions de producteurs aussi sur YouTube et j'avais, c'est un milieu duquel j'avais vraiment peur. Et c'est vrai qu'avec eux voilà, c'était une équipe toute jeune, c'était un label qui venait de commencer, un petit label, et c'est ça qui m'a plu je crois, le côté vraiment C'est le côté aussi petit label ou c'est aussi voilà, le côté notre façon de faire de la musique qui est assez séduisante finalement, une exactement. Aventure séduisante. Exactement, c'est le mélange de tout ça, petit label, de gens passionnés, un partage en fait, un truc communautaire, voilà, où c'est des internautes, une fois qu'ils ont un coup de cœur sur un artiste, qui permettent à cet artiste d'émerger, et je trouvais ça vraiment bien. Et donc tu es d'une génération web, on va dire, tu as fait des premières parties assez prestigieuses avec M par exemple. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir le monde de la musique entre ces différentes générations? Parce que eux, ils sont, j'ai envie de dire, à l'ancienne école. Comment ils appréhendent justement, comment tu te sens dans ce milieu de la musique par rapport au type de production qui est la tienne? Est-ce qu'il y a un regard différent? Est-ce qu'il y a une façon de voir la musique différemment? Je pense que c'est clair qu'il y a une différence de génération. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer par une grande maison de disques pour partager sa musique. Ça, c'est un grand point d'Internet. Maintenant, je pense qu'on sera obligé de revenir à l'ancienne école, c'est-à-dire les scènes, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que sur scène que les gens peuvent vraiment être en contact avec notre musique, la ressentir, et qu'on passe par Internet ou par je ne sais pas quel moyen. À un moment donné, on est obligé de revenir à l'ancienne école qui est voilà, se faire sur scène et apprendre... Alors, tu aurais jusqu'à dire que le disque finira par être un outil promotionnel avant d'être un disque qui s'écoute chez soi, etc. La scène sera la partie la plus importante de l'artiste. Je pense, et moi j'aimerais bien en fait, parce que c'est vraiment là qu'on voit la vérité des artistes et qu'on est avec eux et qu'on ne triche pas et que c'est vrai. Et je pense que c'est bien. Après, le CD, il y a aussi quand même tout l'emblème du CD, l'objet, le côté, voilà. Mais la scène, ça reste... pour moi le cœur de tout ce qu'on fait quoi. Alors c'est un petit peu c'est assez paradoxal, c'est marrant
d'avoir ce culte de l'objet, oui. mais être aussi d'une génération qui est complètement dématérialisée, qui est complètement numérique. Il y a toujours cette fascination du disque. Ouais, mais en fait, je m'en suis rendu compte, c'est un peu de la nostalgie, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec Internet, moi, sans Internet, je serais pas là, je ferais pas de scène. Mais c'est vrai que, voilà, il y a ce côté où on consomme maintenant très vite la musique comme les autres choses et qu'on prend pas le temps, voilà, d'aller chercher, de s'arrêter sur un artiste, de le découvrir. Ça devient un produit de consommation. Voilà. Après, Internet permet aussi d'aller écouter des artistes qu'on n'aurait pas écouté autrement. Voilà. Voilà. Parce qu'on a accès à plein d'artistes, à plein de styles de musique différents. Donc il y a les bons et les mauvais côtés. On va garder les bons. On va garder les bons côtés. Je crois savoir que dans quelques mois, le disque va tenter sa chance aux États-Unis. Oui. Alors, tu as une voix, un style très, très soul. C'est le pays de la soul. J'imagine que c'est une fierté de tester ce disque aux États-Unis, de ton côté. Vraiment, une grande fierté et aussi une grande motivation. Parce que je sais que là-bas, il va falloir... bosser dur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais même ici, il a fallu vraiment travailler dur, faire des scènes tous les soirs, aller défendre son disque. Et là-bas, c'est juste que voilà, ça va être différent, c'est sûr. Et ça va. Voilà, je vais me retrouver dans une mer avec plein de gros requins. Et je pense qu'il va falloir. C'est vrai que les artistes français aux États-Unis ont parfois du mal à émerger. C'est vrai. C'est peut-être une petite peur, peut-être, non ? D'essayer, peut-être. Pas forcément réussir comme tu l'imaginerais, comme tu souhaiterais. Bah disons que déjà j'ai jamais imaginé signer aux États-Unis. C'est vrai que c'est le producteur déjà, c'est du. En fait c'est une histoire assez folle. C'est le producteur d'Universal qui est tombé sur la vidéo de I Know, de mon premier single sur Internet, et qui m'a fait venir là-bas pour me signer en fait. Et donc et ce mec-là, il en a vu des artistes. Il a signé Amy Winehouse, il a signé Jack Johnson. Enfin voilà. Et le fait qu'il m'ait appelé et qu'il m'ait dit voilà, moi je veux travailler cet album. Le remixer pour le marché américain et vraiment le travailler à fond, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée. Et je me dis, même si ça marche pas là-bas, au moins j'aurais eu ça, que cet homme-là ait envie de le travailler et me pousser à donner le... Ce sera une aventure toujours intéressante. Voilà, et quand tu dis retravailler, c'est qu'est-ce que tu entends par retravailler le titre ou le disque pour le marché américain ? Disons que c'est pas du tout le même marché et qu'il y a des et aussi pour que il faut tout, en fait je pense que pour les publics il faut que le public se sente à part et se sente exceptionnel aux yeux de l'artiste et je pense que moi ce sera vraiment mon devoir de retravailler quelques aspects de l'album pour que ça corresponde au marché américain et pour qu'ils se sentent aussi qu'ils fassent partie de l'histoire parce que c'est une nouvelle étape en fait donc il faut repartir plus ou moins de zéro. Alors j'imagine que tes influences, ta culture musicale est aussi beaucoup aux États-Unis. Quels sont les artistes qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de faire ce métier ? Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns, j'imagine. Je sais que j'ai commencé à apprendre la guitare quand j'ai découvert Eric Clapton. Ça a été vraiment pour moi la révélation. Par rapport à l'écriture ou par rapport à l'interprète, par rapport au compositeur, au compositeur, à l'écriture, voilà complet. Tout ça, l'artiste complet, le mélomane, toutes les mélodies. Il y a Ben Harper aussi qui pour moi a été vraiment une grande révélation. Et puis le groupe Queen. Et ça c'est à cause de mon père, grâce à mon père. Ah c'est particulier. Parce qu'il écoutait beaucoup il écoutait beaucoup Queen et donc j'ai écouté ça toute mon enfance. Et c'est marrant parce que les gens me disent mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Et en fait si on écoute bien, toute ma folie des chœurs. Ça vient vraiment de là en fait, parce que pour moi c'est vraiment le groupe qui réussit à faire ça, voilà, des mélodies de chœur qui sont aussi importantes que la voix principale, quoi. Et c'est vraiment là-bas que j'ai pris ce goût-là. Donc ton album, tu l'as composé toute seule, t'as écrit toutes les chansons. Est-ce qu'à l'avenir tu envisages de collaboration ou c'est vraiment quelque chose que t'aimes faire seul, un disque, comme tu es autodidacte, tu composes, tu écris, tu interprètes. Tu envisages de travailler avec différents auteurs, différents compositeurs pour un disque à l'avenir ? Bien sûr. En fait, le premier disque, c'est vrai que c'est une présentation, donc on arrive aussi avec ce qu'on sait faire. Mais moi, justement, si ça pouvait me permettre de rencontrer des artistes, de faire des collaborations avec eux, je sais qu'aux États-Unis, ça va beaucoup passer par la collaboration. Parce que là-bas, quand on a un artiste qui débute, il faut qu'on ait des parrains ou des marraines. Qui nous présente en fait au public. C'est donc, dur de réussir sans avoir une caution artistique. Pas spécialement, mais c'est vrai que c'est ça peut être bien. Après, ça dépend. Il faut que ça corresponde aussi à son image. On va pas aller faire un duo avec je sais pas qui, enfin quelqu'un qui correspond pas du tout. Mais voilà, je pense que ça là-bas ça marche beaucoup par coup de cœur, par artiste qui découvre un artiste et qui voilà le prend pour le présenter au public. Donc,
Et le disque, il a été écrit, composé bien avant l'aventure My Major Company, où ça s'est bousculé en très peu de temps depuis que le site t'a proposé aux internautes. Alors, il y a quelques chansons que j'avais écrites il y a très longtemps, et puis d'autres, je dirais que c'est moitié-moitié. Voilà. Mmh. Il y a 50% qui a été écrit il y a un bout de temps, et puis la moitié que j'ai écrit après avoir eu les 70 000 euros. Voilà, j'ai composé dans toutes les périodes. Voilà, quand j'étais par exemple en première partie ou quand j'enregistrais, même en enregistrant l'album, je composais pour l'album. Quelle est la relation justement que tu as avec ces producteurs, on va les appeler comme ça, ces centaines de producteurs au quotidien ou tout au long des concerts? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Quel échange il y a avec ces personnes-là? Alors avec eux, j'ai une relation assez privilégiée déjà sur le site de My Major Company. Donc ils ont toutes les infos. Moi, je leur écris pour leur dire à chaque fois où j'en suis, etc. Et puis, ils s'impliquent, ils demandent, ils posent des questions. Énormément. Parce que c'est leur bébé quand même aussi. Ouais, donc ils veulent vraiment savoir ce qui se passe. Ils ont raison. Ils donnent leur avis sur tout. Et qu'est-ce qui se passerait si 400 personnes donnent un avis pas forcément positif sur un aspect du disque? Et ben dans ce cas, je le prends en compte. Ouais. Et, par exemple, la première fois que j'ai enregistré l'album, c'était aux États-Unis, et je suis revenue avec une version qui me plaisait pas vraiment, en fait, parce que ça me ressemblait pas. Et quand je l'ai dit à mes producteurs, ils m'ont dit on pense la même chose. Et je pense qu'ils me l'auraient dit même sans que je leur dise, c'est-à-dire on retrouve pas ce qu'on avait aimé quand on t'a produit. Et forcément, ça me remet en question, quoi. Ouais. C'est vrai que généralement on a l'avis d'un directeur artistique dans une maison de disques, mais là ça fait beaucoup d'avis. Ouais. Il y a peut-être moins de chances de se tromper. C'est ça. En tout cas, on se dit, voilà, s'il y a, je sais pas, 100 personnes qui pensent la même chose, bon, à un moment donné, on va peut-être revoir. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci. Merci. Oh, I said, run, keep on running, baby.